d'amener le droit à changer de narratif. Et nous avons tous en ligne 2025. 2025, c'est pour bientôt. Je pense qu'en 2025, il faudra qu'on se pose les bonnes questions. Après 20 années au pouvoir, est-il possible qu'on puisse encore s'inscrire dans le sillage de faire 5 années supplémentaires pour totaliser pour soi-même 25 années de pouvoir et totaliser pour sa dynastie familiale 63 années de pouvoir? Je crois que ce sont des questions importantes qu'on doit se poser et se demander s'il faut rester dans le même narratif que glorieux de notre nation, et seul parmi les 15 de nous inviter à faire.